journée par semaine et que cette journée soit la même. Il va arrêter de me coller là. La mesure soit réellement visible. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me restes à ta place. Bonsoir Loïc Dangeau. Vous commencez à me saouler, à me coller. Vous êtes vétérinaire, mais également député de la République en Marche. Question allez-y. Très simple ce soir, parce que vraiment le débat est lancé avec l'accident d'hier allez-y. Dans le Cantal. Ah oui. Est-ce qu'il faut interdire la chasse le week-end lorsque les gens se promènent? Ouais, depuis ta heure, tu colles la voiture. Ça devient lourd. Une journée par semaine, comme le veut François. C'est un poids lourd. J'aime pas ça qu'on colle les voitures. On colle aux fesses, c'est la voiture. Alors, la France, c'est le seul pays en Europe toujours sans chasse. Ça t'arrive souvent? Ah ouais, non, mais les gens sont pénibles. Le soir, moi, ça m'est déjà arrivé. C'est le pays d'Europe dans lequel ça arrive comment? Si tu colles, il est bien indiqué de façon croissante. C'est 80, c'est 80. Les habitants des zones rurales de la campagne sont inquiets quand ils se promènent avec leurs chiens. Ah là là, oui, c'est pas nul. Moi-même, en circonscription rurale, j'ai énormément de chasseurs et de petits villages. Mais ils le font tout le temps avec toi. Les habitants de ces villages me disent régulièrement qu'ils sont inquiets et ils ont parfois peur. Oui, c'est sûr. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme ils font tous nos voisins européens, comme ça a déjà été fait en France d'ailleurs en l'an 2000, quand le mercredi, il a été déclaré sans chasse. Bonne soirée. Et donc, on s'arrête, on rentre. Voilà, c'était le coup de gueule de Michael Frasher. Cette cohabitation la plus heureuse possible entre ceux qui chassent et ceux qui ne chassent pas est aujourd'hui. Ah, et comment se fait-il?